Allez, bienvenue dans l'épisode numéro 2. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'air. L'utilisation de l'air essentielle pour les instruments avant, bien sûr, et particulièrement pour la trompette. Je vais essayer de vous transmettre un petit peu ce que mes profs m'ont appris, évidemment, mon expérience et ce que j'ai appris lors de stages en particulier. Le but est de trouver des sensations. Tant qu'on ne ressent pas, on ne peut pas comprendre. Il faut s'imaginer que quand on joue d'un instrument avant, on a une pompe. On a une pompe à air que l'on va comprimer. Évidemment, ce sont nos poumons que l'on va comprimer pour expulser l'air. Donc, visuellement, vous pouvez comprendre. Jusqu'au bout. On peut se donner l'image, vous savez peut-être les anciennes pompes à vélo, vous en avez peut-être une dans votre garage. On avait une pompe où on appuyait dessus, comme ça, avec un petit bec là, et hop, on gonflait nos roues comme ça. Okay. Nous, c'est exactement la même chose. Hein. Il n'y a pas plus simple à comprendre. Alors, pour utiliser ce moteur, cette pompe, on va placer nos mains ici. Donc, hop, vous mettez bien vos pouces sous les dernières côtes, hein, sous vos dernières côtes. Vous appuyez bien, hein, n'hésitez pas, même si ça pique un petit peu, appuyez. Et ensuite, on va penser à une respiration grave, une respiration profonde et lente surtout. C'est la respiration ventrale ou abdominale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu lentement. Mes mains se sont écartées, mes doigts se sont écartés. Effectivement, j'ai pu utiliser toute cette partie-là de mon corps, alors que les poumons sont bien plus hauts. Si vous n'avez pas cette sensation, si ça ne se gonfle pas ici, je vous invite à regarder le lien que je vais mettre dans la description de la vidéo. C'est un prof de chant et je trouve que c'est très très bien illustré. On a une coupe de la paroi abdominale qui nous permet vraiment de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Néanmoins, on peut faire tout de suite un exercice très simple. Hein, mon prof il disait « gueule un bon coup, tu vas voir ». Effectivement, on replace nos mains. Si on gueule un coup, hé, hé, ha, ha, tout de suite, l'ensemble des muscles se met en contraction et on ressent ce qui se passe dans cette zone-là. Hein, vous pouvez refaire hey! C'est phénoménal. Et en fait, c'est ça la base de l'utilisation de notre air. Techniquement, alors je ne suis pas tout à fait spécialisé, mais nous avons ce que l'on appelle le diaphragme, qui est le muscle essentiel à la respiration. Hein, donc, c'est un muscle transversal qui est juste positionné derrière nos côtes, nos côtes du bas, hein, les côtes les plus basses, et qui va être vraiment l'appui nécessaire pour expulser l'air. Ce muscle va donc être mis en contraction, et tous les muscles aussi liés au diaphragme. Hein. Donc, on refait une petite fois, si vous voulez bien. On replace nos mains, on pense à une respiration grave, un peu Dark Vador, vous savez. Vous remarquerez que mes épaules ne se sont pas du tout levées. Si les épaules se lèvent, ça veut dire qu'on respire ici avec la poitrine et non avec le ventre. Hein, si je vous fais... En fait, ça, c'est une respiration un peu quand on est essoufflé. On vient de monter une centaine de marches, on vient de courir.
Notre corps récupère et là on a les épaules qui se lèvent. Nous, on n'en a pas besoin puisque nous sommes zen et tranquilles à la maison, tout va bien. Mes épaules ne se lèvent pas, d'accord? Pareil, je vous invite à faire les exercices contenus dans la vidéo, dans le lien vers ce professeur de chant. Et il vous propose même de vous allonger et de comprendre la respiration ventrale. Ok? Donc ça, c'est essentiel. Si nous n'avons pas ça, nous ne pouvons pas jouer de la trompette. Alors évidemment, au début, ce n'est pas évident. Mais petit à petit, vous allez y arriver, vous allez progresser et comprendre cette respiration. Déjà, ça, c'est un point fondamental. Ce que je vous propose maintenant, c'est son application directe avec l'instrument. Donc, pas besoin de la trompette, on peut simplement prendre son embouchure. L'embouchure, je conseille de la prendre pas pleine main, mais à 2 ou 3 doigts maximum, d'accord ? Pour éviter d'appuyer trop fort sur les lèvres. Et en plus, prendre la main la plus faible. Par exemple, si vous êtes droitier comme moi, vous prenez la main gauche. Si vous êtes gaucher, vous prenez la main droite. Elle sera plus faible pour vous. Donc moi, je la mets dans la main gauche. J'utilise, vous voyez, 2-3 doigts maximum. Et je viens émettre une vibration. D'accord ? La vibration, on se souvient tous, c'est l'occasion d'en reparler. Pouh, pouh, pensez à ça. On pince légèrement les lèvres et on prononce pouh. Et on va penser à une vibration plus longue et droite. Chaque début d'année, hein, les grands, vous en souvenez, je fais refaire ces exercices systématiquement pour refaire prendre conscience au corps de l'air et de la vibration des lèvres. D'accord ? Donc si on perd un petit peu ça, pensez à pou, parce que pou va mettre les lèvres un petit peu en position de vibration automatiquement. Ok ? Voilà, ça c'est un conseil. Je refais avec une réelle respiration. Cet exercice, vous sentirez directement après la respiration une contraction générale ici. C'est-à-dire que notre corps, tous les muscles, le diaphragme vont se mettre en contraction et c'est ce qui va permettre à l'air d'être expulsé comme la pompe dans les poumons. D'accord ? Donc ça, essentiel, la vibration. Je ne m'étale pas trop dessus dans cette vidéo, mais pensez que nous devrions tout jouer avec ça. Hein? D'accord? Pensez que c'est ici qu'est fabriqué le son, avec l'air, évidemment, en appui et en soutien. Si ça, ce n'est pas assez précis, évidemment, dans la trompette, ce sera faux. On peut tout de suite le prouver. Hein. Si j'ai une vibration qui n'est pas stable, pas propre, je ne vais pas trouver ma note. Ça va être instable, ça va être faux. Alors que si j'ai une vibration droite, c'était le sol médium, vous comprenez que le son va être droit. La fabrication du son est ici. Le net avantage, c'est que l'embouchure, comme un entonnoir, va canaliser cette vibration. Et la trompette encore plus parce qu'elle va mettre une résistance, donc un appui, et qu'on va gagner en stabilité. Donc, je repars sur mon air, maintenant avec l'instrument. À votre niveau, vous savez tous jouer les notes, hein, du do grave
jusqu'au sol médium au moins. Moi, je vais partir sur le sol, c'est plus facile. Je place bien mon pouce sous la dernière côte. Je vais respirer lentement et faire une émission. Pas besoin de faire 10 ou 20 temps, vous faites simplement déjà une jolie ronde, ok, avec un son le plus droit possible. Maintenant, ce que vous pouvez rajouter dans votre conscience, une fois que vous avez ça, c'est d'avoir un son chaud. Imaginez que vous êtes devant la glace dans la salle de bain et que vous voulez faire de la buée sur la glace. Vous faites comme ça et hop, il y a de la buée qui se forme. Pensez à cette image quand vous allez faire votre note. Je me remets en position. J'essaye d'avoir le son le plus chaud et le plus droit possible. Ce qu'on va appeler un son plein. Ok ? Allez, une dernière fois. On peut faire sur le do grave si vous voulez. Je me remets mon pouce ici. Je pense à ma note. Je vais faire un do grave. Je mets l'embouchure proche de ma bouche. Et voici un joli do plein qui résonne. D'accord ? Alors, c'est vrai que de penser à tout ça, toutes ces étapes, ça peut être un petit peu fastidieux. Il fait beau dehors aujourd'hui, alors c'est l'occasion. Vous allez, si vous avez un petit carré de verdure à la maison ou un joli jardin, vous pouvez prendre une chaise, vous pouvez vous mettre sur le rebord de la terrasse, peu importe. Vous prenez votre embouchure et vous vous faites une petite série. Peu importe la note qui est dans l'embouchure, faites celle qui vous paraît la plus simple. La plus droite, sans forcer, pas d'aiguille surtout. Hein? Donc vous vous mettez tranquille sur la chaise, sur la terrasse, si vous voulez. Si vous avez un trop plein d'air, vous l'expulsez. Et on part comme au tennis avec des balles neuves. Voilà, faire attention que le son ne fluctue pas, qu'on n'entende pas. Hein, surtout pas. Voilà, pensez vraiment à avoir ce son le plus droit possible. Vous pouvez varier, faire un plus grave. Voilà. Et pour les plus grands, je vous invite à faire une gamme ou du moins de do jusqu'à sol, lié, évidemment, sans mettre de tu, bien lié. Si votre son est plein et chaleureux rien qu'avec ça, ça veut dire qu'ici, tout se passera bien. Pensez que ça, ce sont des haut-parleurs, des enceintes si vous voulez, connectées. Hein, des enceintes, ça va simplement amplifier le son. D'accord ? Mais la qualité du son sera faite ici avec l'embouchure. C'est essentiel. Alors, ça, ce sont des bases standards à tous les musiciens, tous les trompettistes. Faites attention, dès que vous commencez un morceau ou vos échauffements, hein, principalement, d'avoir ça en conscience. Je suis tranquille. J'approche mon embouchure de moi. Et vous allez voir que
automatiquement votre son va être plus rond, plus chaleureux. Ho, c'est comme le chanteur. Si le chanteur respire pas et chante ah, il va s'esquinter. Mais par contre, s'il respire, bon, voilà, j'aurais voulu être chanteur d'opéra, mais je me suis loupé. Mais vous comprenez le principe. Ensuite, j'invite pour les seconds cycles les plus grands à faire cet exercice de souplesse, c'est-à-dire passer d'une note à une autre sans utiliser les pistons et utiliser uniquement la vitesse de l'air, c'est-à-dire l'utilisation de la pompe. Le résultat dans la trompette, c'est celui-ci. Finale, hein. Mais pensez, l'ouverture du robinet, un peu plus d'ouverture, plus rapide. C'est vraiment, il faut que ça soit ancré dans votre corps. C'est pour ça que des fois, vous voyez des musiciens, alors des fois ils en rajoutent un peu, mais vous voyez des musiciens de jazz par exemple, ils commencent comme ça. Ils se contractent pour réussir la note aiguë, ils utilisent vraiment la pompe au maximum. Le but n'est pas de se faire mal, il ne faut pas penser à un exercice de sport physique. Il faut simplement penser que nos muscles vont se contracter et va nous permettre d'expulser rapidement l'air par nos poumons. Voilà, ok? Le défaut qu'on peut trouver, quand on pratique cet exercice, on peut vite être amené à faire un défaut. Je parle pour les grands toujours. On peut forcer et vouloir absolument trouver l'aigu devant. Toa, hein, comme ça, faux. Le son est faux, pas du tout propre, pas du tout droit. Hein. Pensez plutôt descendant, comme la pompe, mais un petit peu en retrait également. Le son sera droit et juste. Je vous refais à l'oreille, ça s'entend. Tu vas voir, je vais y arriver, je force. Allez! Alors que c'est faux. Plus vous êtes sur la réserve en bas, plus le son sera droit et juste. D'accord? Plus vous forcez devant, plus vous allez vous abîmer parce que vous allez forcer, plus vous allez forcer, vous allez fatiguer et évidemment le son n'est pas joli. D'accord? Alors c'est déjà pas mal hein, tout ça, c'est déjà une grosse leçon. N'oubliez pas, positionnement des mains. Respiration lente et profonde. Émission avec une vibration.
Émission avec l'embouchure. Et dernière émission avec la trompette. Cet exercice, je pense aux jeunes, mais au moins jeunes, hein, moi le premier, ça m'arrive de le faire même devant la télé. Je veux dire une chose, aujourd'hui évidemment tout est fastidieux, se mettre devant un pupitre seul, c'est compliqué et je le comprends parfaitement et je suis le premier à le penser. Donc vous mettez devant la chaîne que vous préférez, un dessin animé, peu importe, vous prenez votre instrument et vous faites des séries de pose de son. C'est ce qu'on appelle des sons filés. Ils sont droits et ils sont le plus ronds possible. Vous mettez devant la télé, hop, Gulli, BFM TV, non, BFM TV, il y a trop de coronavirus, donc non. Ou les clips musicaux, tout ce que vous voulez, vous mettez tranquille dans le canapé, pensez simplement être droit, pas recroquevillé, d'écarter les coudes et on respire. Au moins 4 temps, d'accord ? On change de note. On vide l'air en trop. On se remet en position, on respire lentement. Cet exercice, et je terminerai là-dessus, je le conseille également à tous les jeunes qui sont appareillés. C'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est un énorme changement quand on est appareillé, un appareil dentaire. On va rajouter de la masse, on vient rajouter du métal dans la bouche, ce qui n'est absolument pas naturel. Donc, le corps a besoin de s'habituer, notamment les lèvres qui vont être rouges, hein, les muqueuses vont être abîmées, etc. Donc pensez à ne pas appuyer trop fort et faire ces exercices. Avec l'appareil, on perd ses repères et donc le son fait et n'arrive plus à se stabiliser. Donc on est appareillé dentaire et on fait ces exercices au début. Et je vous assure qu'au bout de quelques semaines, vous retrouvez le positionnement que vous aviez avant. Moi, j'ai eu l'appareil. J'ai des mauvais souvenirs. Aujourd'hui, les technologies sont meilleures, on souffre moins. Vous avez, c'est vrai, ce passage délicat, mais pensez qu'on peut travailler autre chose. On peut travailler l'air, on peut travailler les doigts, on peut travailler cette vibration. Hein. Donc, avoir un appareil dentaire, ça peut être aussi un avantage pour penser à d'autres aspects techniques. Écoutez, repensez qu'il y a un lien pour une vidéo avec un prof de chant. Le chant et la technique du musicien, c'est la même, d'accord ? Vous allez y arriver. Et pourquoi pas, envoyez-moi une petite vidéo où vous êtes positionné tranquillement et vous faites bien cet exercice. Si je vois qu'il y a un petit défaut, je vous corrigerai tout de suite. Je vous dirai, ah, attention, t'es mal positionné, attention au coude. Donc, je vous mets au défi, je vous envoie ce tuto, mais en retour, faites-moi 10 secondes, une petite vidéo, même par mail ou par SMS si ça passe, mais faites-moi un petit retour. Allez, je compte sur vous et à très vite pour le 3e épisode. Ciao !